vainqueur de beach avec nous. Ben, a priori, la Blue Machine, elle va aussi bien que la Black Machine quand tu viens sur l'élite, dis donc. Ouais, elle va bien cette Léopard Machine. Non, nickel, bonne journée. Première manche, un départ 5-6. J'ai réussi à passer en tête et après j'ai roulé tendu. Donc Xavier a bien collé derrière. Je réussis quand même à gagner. Et deuxième manche, je tenais à rouler mieux, quoi, plus comme je sais faire. Donc j'ai essayé de m'amuser avec la piste et à jouer avec les trous. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai roulé plus libéré. J'ai pas eu mal au bras. Donc voilà, je gagne avec un petit peu d'avance. De bon augure pour la Lettonie. Surtout un super entraînement avec ce terrain. Il était vraiment top. On va dire une étape de plus dans ta progression, dans ta connaissance de la KTM et l'apprentissage du MXGP. Ouais, exactement. Il me faut des courses. De toute façon, on rattrape pas un hiver comme ça. Voilà, cette année, c'est une année, on va dire, d'apprentissage et d'être de mieux en mieux chaque week-end. Il y a vraiment un gros niveau en MXGP. Et voilà, mon but, c'est de rentrer dans les 10, 11 le week-end dernier. Voilà, il y a un bon step à faire pour rentrer dans les 10. Je pense que jusqu'au 7 premier, c'est possible. Après, il y a encore une autre marche, ça sera pour plus tard, je pense. Mais voilà, je suis content. Le team bosse super bien, les personnes autour de moi aussi, donc c'est nickel. Top 10, il faut manque pas grand-chose finalement, peut-être un petit meilleur départ, des petites choses, non? Ouais, on dirait un peu plus de vitesse et tenir les 35 minutes à bloc parce que les autres, ça débande pas, quoi. Du début à la fin, ils sont à fond et t'en as toujours un ou devant ou derrière. Donc, première manche en Russie, j'étais 8, j'ai craqué à 10 minutes de la fin. Bon, je fais 2 x 12, mais correct, on va dire, pour un troisième GP. Et là, plus les GP vont avancer, plus ça va aller mieux. Donc, je suis content, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit le coach Steven en rentrant de Russie? Parce qu'on sait qu'il n'est pas commode le Steven. Ouais, c'est sûr, il n'est pas commode et pas facile, mais après, c'est pour mon bien et on bosse tous les jours dur pour arriver au top et c'est ce qu'il faut. Donc, non, que du positif, je suis vraiment content de revenir en Grand Prix, d'être là, présent. Voilà, en élite, j'ai gagné. Ça fait 2 courses que je gagne. Après, je pense pas que j'en referai, mais c'est des super entraînements. Merci Ben, on te souhaite une bonne semaine. Allez, à bientôt Pascal.